Salut à tous! Alors, aujourd'hui on est le 26 juin et il est 21h57. Et c'est marrant parce que j'ai un petit pressentiment. Voilà, donc aujourd'hui je me dis, je vais entraîner ce que j'ai trouvé à la forêt de Jade. Pas mal de taf. J'y vais faire la vitesse de mon Pikachu. Voilà quoi, je veux dire, j'avais pas eu de chenille depuis. De la chenille hasard. Depuis 2005 et voilà quoi. Tada! Ouais, c'est ouf quoi. Je tire, j'ai à peine commencé, j'ai pas fait beaucoup de V, j'ai bien vu dans l'ombre le truc arriver. Oh là, j'ai gueulé sur Skype, patata chenille! Le premier truc qu'on m'a dit c'est sérieusement? Genre ouais, sérieusement quoi, c'est trop cool. En plus, il est vraiment trop 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 mignon. Et alors ouais, je dis j'étais en train d'y penser parce que je faisais mes rencontres et je me disais tiens, si j'avais un Rattata Shiny, je sais pas si je le ferais évoluer ou si je le laisserais en Rattata parce que bon, il est dans plein de routes, enfin plein de routes. Évidemment, il est pas tant que ça mais je sais pas ce que je ferais. Enfin, j'y réfléchisse. Non, mais voilà, je commençais à l'entraîner et puis ça fait de plus à entraîner Mais c'est vraiment chouette quoi. Deux Shiny Hazard de suite, ça fait tout drôle hein, quand vous en avez pas eu pendant des années. Je sors mon stylet. Vous n'avez pas eu depuis des années, ça fait tout drôle. Donc voilà quoi. Il est super beau. Et ben je sais pas quoi dire. On va passer à la capture qui ne devrait pas être, je pense, extrêmement difficile. Alors. Ça fait des espèces de barres, je trouve ça trop laid. Ouais, c'est un peu mieux. Non mais ouais, ça fait trop bizarre. Copain bol, je suis la compagne. Love bol. Écoutez, une petite love bol. J'ai envie. Non, ça y va trop bien la love bol. Rose et vert comme ça. Ah là là, c'est trop cool. Bon, pour le plaisir, cage éclair. Hop. Ah, pour le plaisir. Voilà. Hop là, ensuite. Non, c'est vraiment trop trop chouette. Enfin, ça fait bizarre quoi. Trop de chance là. Trop de chance. Et il veut pas rentrer. Allez quoi, t'as un taux de capture de 255, tu vas rentrer. Donc ouais, j'étais sur Skype tranquillou, je faisais mes EV, j'essayais de regarder FIF Pékin Express en même temps, ce qui n'était pas forcément évident. Oui, je regardais Pékin Express, je l'assume. Des rares trucs que je regarde. Yeah, attrapé. Donc j'étais avec Bouchard, avec Caesar et avec Vador. Qui est chrome. Ah, regarde-moi comme c'est mignon. Attendez, je vais prendre une petite photo, je reviens. Hop, we're back. Donc un surnom, non, et pas encore. Ah, il t'envoie à la boîte en plus. Donc voilà, ouais, j'étais là. Hein. Donc non, rarement, non, ce n'est pas Farouk qui m'appelle. C'est Audrey. Je sais pas qui c'est Audrey. Donc voilà, avec la petite musique sympatoche. Si seulement elle arrêtait de me parler, Audrey. Qu'est-ce que tu veux, Audrey? Bonjour, Nectios. C'est Audrey. Oui, j'avais remarqué. C'est marqué. Tu fais quoi? On va se faire un combat vers la route 27. Ne me fais pas attendre. Bon, si je veux, hein. Genre, elle me demande même pas mon avis et tout. Tiens, tu me paies l'essence au moins, quoi. C'est bon. T'es content, hein? Non. On vous implore du regard pour jouer. Oh, le malheureux, quoi. Non, on va s'amuser avec lui. Il est super ravi. Ah, carrément, super ravi. Ah, ça fait des espèces de courbes sur la caméra, c'est pas beau. Alors, donc voilà, j'avais petite équipe. Voilà, pour le surf. Putain, maintenant ça fait flou. Ah, l'enfant, mon coco fort, donc j'ai appelé Spear. Ça rentrait dans les caractères japonais. Et
mon morphin que j'appelais Boren. Voilà, donc on va aller voir le PC. Écoutez, c'est trop surprenant, je sais pas comment... Je suis pas habituée là, franchement. Alors quand je regardais ma carte, je me disais, wow, la ligne du bas, les chiffres descendent, ça fait 3000, 1000, 200, hasard. Je me disais, qu'est-ce qui peut être plus bas que le hasard? Ah ben, encore un hasard. C'est drôle, voilà. Ah, ça fait drôle. Hop. Tout, je dis, en plus, je dis dans mes bulletins, bon, ben, je vais remettre à... Alors, il est mauvais. C'est pas mal, ça monte l'attaque, ça, je crois. Alors, il bon, faut faire déplacer. On va mettre à la place de Léviator. Voilà. Et, il est vraiment très très mignon en Ratata. Moi, je regardais ça, c'est trop mignon, quoi. Ça, trop mignon. Bon, c'est vrai que Ratata est joli aussi. Il a une belle couleur, un peu orangée. Cuivre, même, je dirais. Mais, bon, ça dépend. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être tomber dessus un jour, mais... Il est vraiment trop mignon, quoi. Je sais même pas comment il est sur... noir et blanc. Peut-être que ça déterminera mon choix. Trop mignon, quoi. Donc, on a dit qu'il était mauvais. Non, pourquoi je clique sur ça, creux. M'énerve, cette caméra. Je vais essayer de la mettre plus loin. Voilà. Il est trop mignon. C'est encore à mal, hein. La Love Ball lui va trop trop bien, je trouve. Franchement. Ouais, franchement. C'est trop mignon le rose comme ça avec cette couleur. Je crois que j'ai pas de chenille la Love Ball, c'est même sûr. Route 1, rentrer niveau 2. Assez entêté. Hops. Donc ouais, ça monte l'attaque, ça baisse la défense P. Mais c'est pas trop mal, ma foi. Donc ouais, ça fait bizarre quand même. Hein. Tout ça. Donc, écoutez, on va aller au combat. Trop, trop mignon. Ah, il est déjà content d'être avec moi. Il marche sur les pieds. Ça, c'est pas trop lourd. Faites pas rencontrer notre chenille, hein. Oh. Ah, c'est vraiment joli, quoi. Trop mignon. Plein de gens qui aiment pas, tu vois, Ratata, on pas tomber dessus. C'est vraiment trop beau. Je voulais faire un truc, je voulais mettre les animations. Oui. Ouais, vous avez vu en début de vidéo, j'ai reçu une super figurine de Clamiral ce matin. Trop trop jolie. C'est elle qui m'a conseillé de prendre ce modèle. Elle dit, tu vois, c'est de la bonne qualité. Et c'est vrai, oh il est trop mignon sa petite papate, c'est mignon. Ah là 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 là, c'est fou quoi. Je vais dire, enfin voyons, je vais aller jouer au loto. Oh, c'est trop cool. Donc ouais, je sais pas, vous avez qu'à me dire vous dans les commentaires, vous préférez quoi, Ratata ou Ratatak? Bah franchement, je le trouve trop cool, Ratata. Peut-être Ratata ce serait éventuellement si j'en croise un autre. Bon, c'est vrai que tomber sur cette route, bon, ça aurait été sympa, Fouinette aussi. Ça aurait été sympa. Mais bon, je vais pas faire ma difficile, franchement. Petit Ratata, tiens, besoin de l'amour aussi. Tiens, quelque chose. Bah ouais, je te prends l'objet. Oh, il veut pas me donner son objet. C'est trop mignon. Je refais. Je suis déçue. Mais non, j'aime pas quand t'es triste. Enfin, t'es fâchée, quoi. Oh, tu t'es mignon. Tu t'es trop mignon. Putain. C'est pareil, je recommence à parler comme à mon chat. Ouf. Bon, ben voilà. Voilà. Blablabla. Donc dans une semaine, c'est la Japan Expo. Et déjà, une semaine, ça passe vite. Donc, j'y serai.
Je sais pas si vous connaissez ma tête, mais j'ai pas de signe particulier. J'essaierai de trouver quelque chose, s'il y en a que ça intéresse, hein, si vous. Je pourrais indiquer comment me reconnaître, mais je sais pas ce que je pourrais mettre. Je veux dire, il fait chaud, je vais pas mettre un foulard. Et ben voilà, j'ai quand même éternué dans ma vidéo. Donc je vais pas mettre vêtements particuliers. Je sais pas, écoutez. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais arriver avec Chrono Dark, Black Time, Whoopidop et Gigi, je sais plus combien. Je sais plus tes numéros, désolé. Parce que je crache avec eux, tout simplement. Et merci à eux encore d'ailleurs pour sauver la vie. Mais voilà, je sais que j'arriverai avec eux, mais après on va aussi se séparer, j'ai plein de trucs à faire, on va être partout. Donc je sais pas. Voilà. Si vous me reconnaissez, en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir. Pas de soucis, tout ça. Voilà. On pourra faire des photos avec des bouches en cul de poule, en faisant la victoire avec les mains, trop cool. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vais vous dire à Japan Expo quand même, je vais pas vous dire... Dans une prochaine vidéo, ce sera un petit peu de l'abus. Et bonne chance à tous et à la prochaine.